Depuis plus de 15 siècles, les moines bénédictins se lèvent au milieu de la nuit pour louer Dieu au cours des matines, premier des 8 offices de la journée monastique. Saint Benoît a réglé les offices divins selon les mots du psaume 118. « 7 fois le jour, j'ai chanté vos louanges et je me lèverai au milieu de la nuit pour vous louer. » Selon la règle de Saint Benoît qui organise toute leur vie, les moines ne veulent rien préférer à la louange de Dieu. Ce premier face-à-face de la journée avec le Seigneur revêt une importance particulière. Dans la pénombre et le silence de la nuit, loin de toute agitation, c'est le moment d'un rapport plus intime avec Dieu que l'on ne voit pas, mais dont la présence est sensible. Dans notre monastère, nous avons des origines de frères qui sont très diverses. Je suis un fils de la Révolution de mai 68. J'étais d'une famille catholique, pratiquante. Québec a vécu sa révolution tranquille. Une révolution où il y avait très très peu de lumière. Des familles éclatées et des jeunes, nombreux, qui se recherchaient. À partir de l'âge de 16 ans, j'ai commencé à avoir des doutes. J'ai commencé à découvrir la vie. Et j'ai eu une expérience de jeune hippie pendant plusieurs années. Être moine n'était pas un absolu. Et puis, il faut bien le dire en toute simplicité, j'ai connu la drogue, j'ai connu l'ivresse de la jeunesse, tout simplement. J'appartenais aussi à une bande de motards. J'allais tourner le soir à la Bastille, le vendredi soir. C'est sur ce d'eau vive que j'ai cherché au Québec. J'ai fini par les trouver en France. Dès la fin des matines, dans le silence d'une nuit qui s'achève, les moines se retirent en cellule. C'est le temps de la Lectio Divina, méditation solitaire dans un cœur à cœur avec le Christ. Lors de ces longues heures de silence, le moine étudie et médite la Sainte Écriture et les Pères de l'Église. Avant de commencer sa prédication dans sa 30e année, le Christ a mené une vie cachée, humble et pauvre à Nazareth. À son exemple, dès les origines du christianisme, des hommes ont voulu mener une vie de retraite hors du monde. Ils se sont retirés dans les déserts de Palestine et d'Égypte sous l'impulsion de saint Antoine ermite et de saint Pacôme.
La Fuga Mundi, fuite du monde, reste l'une des clés de la vie monastique. Séparé de tous, le moine demeure par la prière, uni à tous. La vie quotidienne de la communauté s'écoule au rythme du soleil et des saisons. Les moines attendent le Seigneur qui doit revenir. Le soleil levant est un symbole très expressif du Christ qui revient. Avant les messes lues, les moines qui ont été ordonnés prêtres se purifient symboliquement les mains. Les moines se dirigent ensuite vers les chapelles latérales de l'église abbatiale et de la crypte. Célébrée dans un grand recueillement, la messe est dite en latin selon le rite romain traditionnel. La messe, c'est le sacrifice du Christ sur la croix, rendu présent et renouvelé sur l'autel selon les rites liturgiques. Le sacerdoce n'est pas essentiel à la vie monastique. Cependant, les moines qui sont ordonnés prêtres sont davantage identifiés au Christ. Domine nosso dignus, ventre sut et pane, setanto viverne sae vite anima. Justa dominus Jesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Dans la recherche de Dieu, saint Benoît privilégie deux moyens, la prière et le travail, selon la célèbre devise « Ora et labora ». Nous avons une boulangerie, mais nous ne sommes pas des boulangers, nous sommes des moines. Nous avons des terres, mais nous ne sommes pas des agriculteurs. Nous faisons simplement de l'agriculture. Et tout cela doit être ordonné à cette recherche de Dieu. Donc on ne choisit pas son emploi, son travail. On le reçoit du Père Abbé dans l'obéissance. Et on le fait comme une prière qui monte vers Dieu. Toute la vie du moine doit être comme une liturgie. Prime est la prière d'offrande de cette journée nouvelle qui commence. Elle se poursuivra au rythme des petites heures. Tierce, sexte et nonne qui scandent la journée du moine. «
Sed semper a tuam justitiam faciendam nostra procedant loquia dirigantur cogitationes et opera. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus. L'office se termine par le De Profundis, prière pour les défunts. La vie n'est qu'un passage. Les moines unissent dans la prière les vivants et les morts. Beaucoup le monastère. Toute la famille n'est pas proche de Bourdieu, n'a pas la foi, mais tout le monde a été vraiment heureux que je rentre dans ce monastère que eux-mêmes aimaient beaucoup. Ils n'arrivaient pas trop à concevoir que leur fils puisse s'enfermer dans un monastère pour toute sa vie. Pour moi, c'était vraiment changer de planète. Ce qui fait que ma famille, lorsqu'ils ont découvert mon aventure religieuse et mon aventure monastique, n'ont pas été trop surpris. Ils ont mis ça sur le compte un peu du personnage. Mais peu à peu, ils ont compris qu'il y avait quelque chose de plus sérieux. Dans quelques mois, je vais prononcer mes vœux définitifs. C'est un engagement définitif qui est pour toute la vie. C'est-à-dire qu'on est destiné à vivre dans ce monastère jusqu'à la mort. Le jour de sa profession, le moine prononce trois vœux. Le vœu de stabilité, le vœu de conversion des mœurs et le vœu d'obéissance. In nomine Domini nostri Jesu Christi, Amen. Ego frater Mateus Espieu, Archidiencesseos Cameracensis. Après avoir lu sa charte de profession, où il prononce ses trois vœux, le moine la signe et la place sur l'autel, juste en dessous de l'hostie. Puis vient le chant du Sushipé. Il y a deux parties dans ce chant. La première, le moine est debout, dressé vers le ciel. Il se tient tout droit, il écarte les bras. Et là, il prononce une parole qui engage tout son avenir. C'est la grandeur et la noblesse de l'homme de pouvoir s'engager sur une parole, de pouvoir orienter lui-même toute sa vie en un instant. Accipe pater, abitu beatissimi patris nostri benedicti, quo quintutus in stabilitate promissam. Ainsi, l'offrande de toute sa vie est unie à l'offrande du Christ sur l'autel. Car faire les trois vœux, c'est vouloir imiter le style de vie que Jésus a eu ici-bas. Et ensuite, quelques secondes à peine après, il se prosterne par terre. C'est la petitesse de l'homme, la misère de l'homme devant Dieu. Ce que nous offrons est bien peu à côté de ce que Dieu nous offre. Capite quarto regule sanctissimi patris nostri benedicti, quae sunt instrumenta bonorum operum. Spem suam Deo committere, bonum aliquid in se cum viderit Deo applicet non sibi, malum vero semper a se factum sciat, et sibi reputet.
tuotem Domine miserere nobis. Les moines frères qui ne sont pas prêtres portent la rasure. Et ceux qui sont prêtres ou qui vont le devenir portent la tonsure, qui est en forme de couronne. C'est comme l'habit religieux, c'est un signe qui montre qu'on est entièrement consacré à Dieu dans notre corps et dans notre âme. Mais c'est un signe encore plus fort que l'habit, parce qu'il est inscrit même sur notre corps et ça ne s'enlève pas facilement, une tonsure. Fidèles aux préceptes de la règle, les moines commencent leur journée de travail. Saint Benoît a dit que l'oisiveté est ennemie de l'âme. C'est pourquoi les frères doivent s'occuper à certaines heures au travail des mains et à certaines autres à la lecture des choses divines. Ainsi, pour les moines, tous les travaux ont une double finalité. Œuvrer au service de la communauté et travailler à leur propre sanctification. C'est également le moyen d'aider les pauvres et les personnes dans le besoin. Le travail n'est pas quelque chose qui doit tout prendre. Il s'insère dans un cadre. Surtout, il s'oriente vers une fin, le salut. Ce qui veut dire que le travail ne doit pas déséquilibrer la vie du moine, ne doit pas empiéter sur les observances monastiques. Au contraire, il doit les favoriser. Et ces observances de silence, de clôture, de respect mutuel, d'obéissance, tout ça doit être vraiment présent dans le travail. La règle, le mot obéissance est très présent parce que c'est la définition du moine. Et c'est comme ça même que saint Benoît va le distinguer des faux moines, des girovagues, des sarabaïtes qui font finalement leur propre volonté. Le désir de Dieu comprend l'amour des lettres, l'amour de la parole, son exploration dans toutes ses dimensions. C'est ainsi que les bénédictins ont toujours entretenu un rapport très étroit aux livres, aux codex, aux bibliothèques, aux traces du savoir qui sont comme autant d'outils nécessaires à leur vie spirituelle. Une école au service du Seigneur. Voilà comment saint Benoît conçoit le monastère. Parce qu'ils ont de tout temps transmis leurs connaissances, les moines ont fait de leurs abbayes des pôles de rayonnement culturel, qui ont contribué à la civilisation de l'Europe. C'était le cas au Moyen Âge, c'est encore vrai aujourd'hui. On voit aussi dans la règle qu'il n'est pas expédient à un moine de sortir au dehors. Il doit donc trouver dans la bibliothèque tout ce qui lui est nécessaire pour ses études. De plus, notre communauté est un institut clérical, c'est-à-dire qu'il y a ici la formation des prêtres, une sorte de séminaire. Donc les étudiants doivent trouver également des livres adaptés à leurs besoins. L'appel à la messe conventuelle retentit.
Avant la célébration des mystères, le père abbé revêt les ornements accompagnés des ministres qui vont l'assister dans la célébration des rites sacrés. Abbé, c'est Abba en araméen, le père. Élu par la communauté, il y tient la place du Christ. Le père abbé est donc le garant de cette présence de Dieu dans la communauté. C'est lui qui est l'intermédiaire entre Dieu et puis les moines. Et il a une mission essentiellement spirituelle, hein, ce lien très fondamental, très profond, qui doit exister entre Dieu et l'âme, l'âme qui est toute obéissante à Dieu et Dieu qui est là présent pour sanctifier les âmes. La communauté se recueille en station dans le cloître. Tout est prêt pour que la liturgie commence. Est la source et le sommet de la vie des moines. Certains jours de fête, comme celui de la Pentecôte, elle est célébrée par le père abbé selon les rites pontificaux. La Sainte Liturgie est une préfiguration de la vie éternelle. Par l'harmonie des choses visibles, le pain, le vin, l'encens, les ornements, le chant et la lumière des cierges, la liturgie nous fait déjà goûter la beauté et la grandeur de l'univers invisible. Amen.
selon l'antique usage, fidèles et célébrants prient tournés vers l'Orient, symbole du Christ ressuscité revenant à la fin du monde. Par la liturgie a lieu la rencontre de l'homme avec Dieu. La liturgie, c'est déjà le ciel sur la terre. Mon père m'a accompagné, mais après a éclaté en sanglots dans mes bras et n'a plus voulu revenir pendant 4 ans, estimant que je faisais fausse route. C'est une chose d'aimer un monastère, aimer un lieu, être heureux de la vocation de son frère ou de son fils pour mes parents, mais c'est une autre chose de le vivre jour après jour. Et je crois que la famille participe vraiment à la vocation. Surtout lorsque je me suis engagé dans la vie monastique, que j'ai fait des vœux, que j'ai établi ma stabilité en France, quittant mon pays, ma famille. Ils ont simplement compris qu'il y avait quelque chose de fondamental, d'absolu. Et c'est le plus fort langage que je peux leur donner pour un retour à l'Évangile. Et puis, réalisant que finalement j'étais heureux au monastère, il est venu me voir et voyant le bonheur qui était le mien, il a changé d'attitude et depuis, il est devenu un grand bienfaiteur du monastère. Et il vient régulièrement me voir maintenant avec ma famille et toute ma famille qui était hostile au départ à ma vocation. Maintenant, pour rien au monde, il voudrait que je ressorte du monastère pour revenir dans le monde. Par nos propres voies, c'est impossible déjà de répondre à la vocation, parce que humainement, c'est une vie qui sera trop dure. Sans la grâce, ce sera trop dur. Il faut accepter ce côté surnaturel qui, en fait, change toute la dimension de notre vie. Chaque vocation est unique. Chaque expérience est très personnelle et aucun des moines n'a entendu l'appel de la même manière. Fasciné, attiré par une force qui n'est pas de ce monde, ils ont décidé de consacrer leur vie à Dieu. L'office de sexte, chanté quand le soleil est au zénith, célèbre la grandeur et la puissance de Dieu. L'église abbatiale dans un monastère est le lieu le plus sacré. C'est un lieu qui est réservé exclusivement à la prière. Saint Benoît ne veut que dans ce lieu, il n'y ait que la prière, l'adoration de Dieu. Et on ne peut rien y faire d'autre. L'église est orientée, c'est-à-dire qu'elle est
dirigé vers l'Orient, vers le lever du soleil, ce qui exprime ce caractère eschatologique de l'Église et de la prière. Nous sommes tous tournés vers le retour de notre Seigneur au dernier jour. Saint Benoît demande d'accueillir l'hôte comme le Christ lui-même. Depuis les origines, les moines reçoivent les visiteurs avec la plus grande hospitalité. Entrez, vous êtes chez vous. Avec l'église et la salle du chapitre, le réfectoire est un des trois lieux sacrés du monastère. Pris en communauté, le repas se déroule en silence. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain. Un lecteur fait entendre la parole de Dieu, suivie d'autres lectures pour nourrir l'esprit. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Évangile selon saint Luc, au chapitre 15e. Les publicains et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient alors. Cet homme accueille des pécheurs, disait-il, et il mange à leur table. Mais il riposta par cette parabole. Quelqu'un d'entre vous possède 100 brebis. S'il en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a trouvée, il la met tout joyeux sur ses épaules. De même, vous dis-je, il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur pénitent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Toute l'année, les moines font abstinence de viande. Cependant, le régime est tempéré pour les hôtes et les frères malades. Au monastère depuis 24 ans et l'obédience que j'occupe est responsable de la taillerie. Quand je suis rentré au monastère, j'étais en train de préparer un CAP de menuiserie. Donc effectivement, c'est pas du tout le même rayon. Mais l'obéissance aidant, voilà, on arrive à faire des miracles peut-être. Et actuellement, je suis en train de confectionner toute la panoplie du postulant qui prendra l'habit. Et donc là, je suis en train de faire le scapulaire qui va avec la tunique. Le col de chemise sera coupé. La ceinture. On repousse plutôt le postulant qui arrive, le novice.
son choix soit vraiment libre. Après avoir fait un essai au noviciat d'une quinzaine de jours, s'il est tout emballé et s'il veut absolument rentrer, il trouve ça merveilleux, les novices sont sympathiques, le chant grégorien est beau, les bâtiments sont splendides, la nature est grandiose, on lui dit « Attends un peu, retourne chez toi 15 jours. » Ou même « Retourne chez toi plusieurs mois. » Et puis lorsque l'exaltation du début sera tombée, là, vraiment posément, calmement, fermement, rentre au monastère. Et puis, si jamais il est très doué pour faire un art, s'il est très doué en calligraphie, en ébénisterie, on lui donnera pas tout de suite de pouvoir exercer son art, même si ça rendrait service à la communauté. Parce que ça pourrait être trompeur. Il va croire qu'il est heureux au monastère, parce qu'il peut exercer son talent propre, en ébénisterie ou dans d'autres domaines. Et son bonheur pourrait lui faire croire, bah alors je suis fait pour être moine, je suis vraiment heureux ici. Mais est-ce qu'il est vraiment venu pour chercher l'intimité avec Dieu? Donc au début, il n'exercera pas son art. C'est pour être sûr que ce soit vraiment pour Dieu, pour s'enfoncer dans la prière et pour rien d'autre qu'il est rentré au monastère. La seule chose qu'on choisit, c'est d'être moine. Après, on ne choisit plus rien. On ne choisit plus son emploi. On ne choisit pas l'horaire de sa journée. On a donné sa vie, et ce n'est pas une simple belle phrase, une belle cérémonie qu'on fait un jour, on donne sa vie, mais c'est dans le concret du quotidien. On ne gère plus sa propre vie. On est entièrement donné. Et c'est ça, d'ailleurs, le secret de notre joie, de notre insouciance. On n'a pas de questions à se poser, j'ai pas de soucis pour mon avenir, savoir ce que je ferai dans 2 ans, dans 3 ans, comment je vais, de décisions à prendre. Non, la seule chose que j'ai choisie, c'est d'être moine. Reverendissime Pater, ades secularis postulans sancte religionis habitum. Introducatum. Le jour de sa vêture, le père abbé demande au début de la cérémonie au postulant « Que demandez-vous ?» Et il répond, cette petite réponse très brève, admirable, « La miséricorde de Dieu et être frère dans votre communauté. » Quid petis? Misericordiam Dei et vestram confraternitat. C'est les deux choses qu'on est venu chercher. La miséricorde de Dieu, l'amour gratuit de Dieu. On sait que si on est moine, on n'y peut rien. Au début de la cérémonie, le père abbé refera les gestes de Jésus en lavant les pieds du postulant, en les baisant, et un par un, les frères passeront en cercle autour de lui, venir lui baiser les pieds, se mettre à ses pieds, pour l'accueillir comme un frère. Aimer son frère, c'est se mettre en dessous de lui. C'est se mettre à ses pieds. C'est le mettre au-dessus. Le propre de l'amour, c'est de s'abaisser. Et pendant que tous les frères défilent en tournant, pour venir un par un baiser les pieds du nouveau novice, nous chantons le chant de l'Ubi Caritas. Là où il y a de la charité, là Dieu est présent. Exuate Dominus vetere nominem cum actibus suis. Le postulant reçoit ensuite l'habit monastique. Notre habit est noir, car nous sommes morts au monde. Nous sommes morts à toute notre vie passée, nous commençons une vie nouvelle avec un nouvel habit, un nouveau nom, une vie toute donnée à Dieu. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Désormais, vous vous appellerez frère Cyprien. On vient chercher une famille de frères. Sancta. Oui, chers, on te verra.
La communauté forme une véritable famille où les moines vivent dans la joie. Une fois par semaine, pendant le moment privilégié de la promenade, ils savent plaisanter et jouer. Cependant, même dans ces moments de détente, les moines gardent en eux la présence de Dieu à qui ils ont consacré leur vie. La fin du jour. Recueilli, chaque moine fait sienne la parole du psaume « Seigneur, que ma prière monte comme l'encens devant votre visage. » Flamboiement des derniers rayons du soleil, l'office s'achève par le Magnificat. Les moines s'unissent au chant d'action de grâce de la Mère de Dieu, la Vierge Marie, modèle de la vie monastique. Moine vient du grec monos, qui veut dire seul. Le moine est donc celui qui est seul. Cette solitude n'est pas un mépris du monde, elle est simplement une séparation du monde. Comme l'a dit saint Évagre, le moine est séparé de tous, mais uni à tous. Après les vêpres, un temps d'oraison personnelle prolonge la prière des moines dans un cœur à cœur avec Dieu, dans la paix du sanctuaire, le silence du cloître. Symbolisant le paradis sur terre, ce jardin clos n'est ouvert que sur le ciel. Le repas du soir achevé, la communauté se retrouve dans la salle capitulaire pour un moment fraternel. Le chapitre du soir permet de faire le point sur la journée qui vient de s'écouler, de parler des projets du monastère, de donner quelques informations du monde, qui sont autant d'intentions de prière. À ce moment, saint Benoît prescrit d'écouter une dernière lecture. Chapitre 14. Antoine est forcé de quitter sa retraite. Son portrait à cette époque. Près de 20 ans, il mena donc ainsi en reclus la vie ascétique. Il ne sortait pas et on ne le voyait que très rarement. Après cela, comme beaucoup désiraient et voulaient imiter son ascèse, et comme d'autres de ses familiers étaient venus, avaient forcé et brisé sa porte et voulaient le pousser dehors, Antoine sortit comme du fond d'un sanctuaire, où il aurait été initié au mystère et inspiré d'un souffle divin. Tu altem Domine miserere nobis, Deo compassionem, adiutorium nostrum in nomine Domini.
La cloche rassemble une dernière fois la communauté à l'église. La journée monastique est achevée, tout s'est accompli sous le regard de Dieu. Avant d'entrer dans le grand silence de la nuit, c'est le moment de chanter le dernier office, les complets. Dans la pénombre du soir, les moines rendent grâce à Dieu pour la journée écoulée. Et lui confie la nuit qui commence. Souvent, les gens nous disent, mais vous servez à rien. Qu'est-ce que vous faites ? 5 et 6 heures par jour à chanter Dieu. Ça sert à rien. Et c'est le plus beau compliment qu'ils peuvent nous faire. C'est vrai que ça sert à rien. On ne sert pas à quelque chose. On sert quelqu'un. On sert Dieu. La vie du Christ a de multiples facettes. Les moines en représentent la partie contemplative. On voit dans l'Évangile que le Christ s'est souvent retiré sur la montagne pour prier. Et les moines sont là pour continuer ce qu'a fait le Christ, prier dans le silence, prier le Père qui est dans les cieux.